premières choses que Kia a tenu à mettre au clair lors du lancement de la Sedona 2015, c'est que ce véhicule n'est pas comme les fourgonnettes d'il y a une ou deux décennies. Le manufacturier nous la présente plutôt comme un véhicule utilitaire urbain, ou VUU. Par contre, en le regardant, on voit qu'elle a deux portes coulissantes, trois rangées de sièges et qu'elle est spacieuse à souhait. Dans cette optique, il est facile de la confondre avec une mini-fourgonnette. La Kia Sedona se décline en 7 versions, passant du modèle de base L, qui débute à 27 595 $, à la très cossue SXL Plus, vendue près de 50 000 $. Peu importe la version choisie, il n'y a qu'une motorisation au programme, un V6 de 3,3 litres déployant 276 chevaux qui sont envoyés aux roues avant via une boîte automatique à 6 rapports. Sur la route, la Sedona impressionne. On a l'impression de conduire une grosse berline, ce qui est tout à fait à son honneur. Elle est confortable à souhait, silencieuse et absorbe les kilomètres sans broncher. Avec sa Sedona, Kia risque de convaincre plus d'une famille d'échanger son gros VUS pour quelque chose de plus pratique. Parce qu'après tout, la Sedona n'est pas une fourgonnette.